Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. David Vautrin est docteur en médecine. Il est détaché par le CHU de Rouen une matinée par semaine dans cette structure de dépistage. Guillaume est son premier patient. Alors, dites-moi pour quelle raison vous voulez qu'on fasse un test ? Parce qu'en fait, c'est le premier, donc... La première fois que vous faites un test, ouais. D'accord. Après avoir répondu à des questions sur ses pratiques sexuelles et s'il a eu des conduites à risque ou non, Guillaume doit faire une prise de sang. Tout se fait à Dieppe, dans ses locaux du CEGID, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Il rouvre ses portes ce matin. Je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir toujours de la proximité. Par exemple, ceux qui habitent à Dieppe ne sont pas forcément obligés d'aller à Rouen ou loin pour pouvoir faire un test. C'est bien qu'il y ait un centre qui est proche, quoi. On voit effectivement un certain nombre de jeunes qui n'utilisent pas ou peu les préservatifs. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont attrapé une IST suite à un rapport non protégé. Donc oui, effectivement, on a l'impression que la prévention, depuis quelques années, il y a un petit relâchement. Depuis le mois de décembre, la ville de Dieppe n'avait plus d'antenne ou de centre de dépistage gratuit comme celui-ci. Une situation due au désengagement du département de Seine-Maritime à l'été 2018 envers ces structures. Il a donc fallu trouver des solutions pour en mettre en place une nouvelle. On a la chance de bénéficier d'un super réseau sur le territoire. Les acteurs travaillent beaucoup ensemble déjà. Le partenariat entre l'ONM et le CHU était nouveau, donc il a fallu effectivement trouver les fonctionnements les plus adaptés. Mais globalement, ça se passe plutôt bien et redémarrer une activité de ce genre-là en 4 mois, c'est plutôt pas mal. Le CEGID de Dieppe est désormais ouvert chaque lundi de 9h30 à 13h sur rendez-vous.